Les vous les parlez, les menteurs, les gros menteurs se trouvent à Conakry, surtout à la présidente. Oh. C'est des menteurs. Là, je vous dis la vérité. Dieu aime pour Diomou. Tout ce que vous voulez. Voici le grand gouverneur. C'est pas moi les. Ça, je vous dis la vérité. C'est vous les fils qui cessez de mentir au vrai président. Cessez de mentir. Et regardez la route là. Depuis que moi j'étais caporal. La route là était comme ça. Jusqu'à présent, c'est pire. C'est vous. C'est votre route. Vous voulez maintenant. Nous les militaires, nous sommes dans la vision du président de la République, professeur Alpha Condé. En ce moment, c'est lui qui exerce toute l'armée. Vous aussi, quelqu'un qui n'a pas pris la place d'abord. Il y a beaucoup de présidents. Il y a le président des ressortissants de Diomo à Conakry. Il y a le président de tous les représentants des villages ici. Il y a la présidente des femmes zéro ici. Il y a la présidente de tous les partis politiques ici. Mais il y a des présidents des militants et des militantes. Mais il n'y a qu'un seul président de la République qui gère toute la nation. Alors si on ne se manie pas avec lui, personne ne pourra avancer la route là si ce n'est pas le gouvernement en place. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Ah, on a vu le président. Les vous les parlez, les menteurs, les gros menteurs se trouvent à Conakry, surtout à la présidente. Hein? Oh. C'est des menteurs. Ça, je vous dis la vérité. Celui qui va maintenant vous enlever dans les souffrances là ici, pour que vous avez pratiqué votre route. Voilà lui. Il est là. Moi, vous me commissionnez, vous choisissez deux vrais citoyens. Il y a un citoyen digne, il y a des citoyens indignes. Je veux les citoyens dignes. On partage ensemble, on décide ensemble, on fait le rapport ensemble. Je vais le soumettre. Si je le soumets, lui aussi va remonter les prières. On attend le résultat. Et ça va aboutir. Mais de dire que ceci, cela, les réseaux sociaux, moi que vous voyez, vous m'écoutez. Je ne connais même pas monter ma photo sur l'internet. Je pense que tout est faux. Les Facebook, mais demandez seulement mon nom. Tu verras mille, parce que tout le monde a besoin de colonel Issa Camara. Si le colonel Issa Camara est venu chez lui, je suis venu pour reprendre. Parce que quand j'ai quitté, j'étais caporal. Alors maintenant, moi je suis devenu colonel Blé. J'ai eu ministre. Ah, ça va pas. Bon oui, c'était mon problème. Ça va pas. Mais moi je suis de Diomou. Alors je peux vous dire, la matière la plus dense dans l'armée mondiale, ça c'est la topographie. Je peux faire la topographie sans me préférer avec le papier. Sinon j'ai un discours à diction. Mais non, tout ça là je ne peux pas résumer dans mon discours. C'est la vérité. J'ai mon moniteur dans la salle encore qui nous a enseigné, qui nous a montré à plus suivre. C'est pourquoi nous sommes devenus aujourd'hui, nous sommes devenus le grand. Mon père a dit, c'est lui qui t'a donné l'instruction. Il a garanti ton avenir, il faut le respecter plus que moi. Le colonel à retraite, maire de la commune urbaine de Yéké, le colonel Nyankemo est là. Il nous a enseigné. Il nous a commandé à la présidence de Sénat dans sa compte, père son nom. Bravo. Il a menti un jour, il n'a pas menti. Si on dit que moi, il s'appuie à Diomou, bien sûr, j'étais nommé par la voix du président de la République, ministre d'État à Sarcelle. On m'a donné commandant de bataillon spécial de Conakry, le grand camp de la Guinée. Mais ça va? Le PC dit non, non, monsieur le président. Envoyez celui Diomou. Je suis venu chez moi à Diomou. Je suis béni, Diomou est béni. Mon excellence gouverneur, je suis à votre disposition. Dis la notabilité, dis la jeunesse de Diomou. Dieu aime pour Diomou. Tout ce que vous voulez, voici le grand gouverneur. C'est pas moi les. Ça, je vous dis la vérité. Les vous les parlez, les menteurs, les gros menteurs se trouvent à Conakry, surtout à la présidente. C'est des menteurs.